Dans Koresmaïla, là, alias le stétoire d'Axo, que personne ne méprise ma jeunesse, mais soit un modèle pour les autres. Je suis l'initiateur de la nouvelle génération burkinabé NGB, associé au channel NGB TV, pour promouvoir Vive le Burkina Faso, avec Vive le peuple burkinabé, vers Vive la démocratie. L'initiateur de la nouvelle génération burkinabé, NGB, Dakoré Soumaïla, voudrait prendre la parole au nom de tous les jeunes de sa génération pour présenter les meilleurs vœux de santé, de tolérance, de succès, de paix, de prospérité de 2015 à chaque jeune de la... Vive la nouvelle génération burkinabé, de vivre le peuple burkinabé, de vivre le Burkina Faso, vers vivre la démocratie, de même que vivre le monde entier. Dakoré Soumaïla voudrait profiter de ses voeux des meilleurs en tant qu'initiateur de la nouvelle génération burkinabé pour promouvoir vivre le Burkina Faso. D'abord, redonner et renaître est une valeur morale dans la nouvelle génération burkinabé NGB, comme l'espoir, le courage, le patriotisme, l'honnêteté, la motivation, etc. avec vive le peuple burkinabé qui se sente méprisé, déprimé, opprimé sur une superficie de 274 000 km² avec une population de 17 millions, dont 60% de cette population est totalement jeune. L'initiateur Dakoré Soumaïla appelle cette 60% de la population totalement jeune, la nouvelle génération burkinabé NGB. Ensuite, la date du 30-31 octobre 2014 a été douloureusement marquée l'histoire de vivre le Burkina Faso par chaque jeune de la NGB qui a tiré la main de son père et de sa mère, qui forme Vive le peuple burkinabé en direction de l'Assemblée nationale des députés pour écrire leurs histoires sur les grands récits de Vive le Burkina Faso à l'intérêt de Vive le peuple burkinabé. C'est ainsi que la nouvelle génération burkinabé NGB a brisé la chaîne de la méprise, les barres de fer de l'oppression de nos parents dirigeants pour donner un bon exemple à vivre l'Afrique et à vivre le monde entier que la NGB n'a jamais été une honte, vaut rien et zéro pour promouvoir vivre le Burkina Faso. L'initiateur Dakoré Soumaïla voulait souligner que la NGB a juste été méprisée par quelques individus burkinabés que toi et moi, vous et nous, peuvent citer leur nom. La date héroïque du 30-31 octobre 2014 est profondément touchée jusqu'au cœur de vie nos ancêtres burkinabés par des pertes de vies humaines de la NGB et la destruction de certains biens matériels, publics et privés de vivre le peuple burkinabé sur le sol de vivre le Burkina Faso. Devant Dieu, notre Allah, devant vivre le peuple burkinabé, la paix de vie humaine, de vivre les zéros, a été proclamée à la hauteur de vivre les matifs burkinabés sur le sol de vivre le Burkina Faso. Alors, l'initiateur de la nouvelle génération burkinabé NGB, Dakoré Soumaïla, voudrait demander à vivre le peuple burkinabé une minute de silence pour le repos des âmes de vivre les matis burkinabés, sans exception de leur classe politique, de leur classe sociale, ni de leur religion, ni de leur sexe. Ensemble, une minute de prière. Amen. En plus,
Dieu, notre Allah, touche le cœur de chaque famille de vivre les martyrs avec le sentiment de pardon, de tolérance à l'intérêt de vivre le Burkina Faso. Enfin, Dakoré Soumaïla, l'initiateur de la nouvelle génération burkinabé, NGB, n'est pas ici pour dénigrer un individu que Dieu a créé à son image, ni dénoncer des dogmes. Dakoré Soumaïla n'est ni un messie, ni un prophète, ni un guide de la nouvelle génération burkinabé, mais juste l'initiateur du concept de vivre le Burkina Faso. Dakoré Soumaïla ne détient aucune vérité, mais mes seules ambitions et rêves sont de promouvoir vivre le Burkina Faso avec le patriotisme burkinabé. Premièrement, vive la nouvelle génération burkinabé, NGB. Parlez au nom de la NGB dans un langage authentique pour affirmer et réaffirmer, confirmer qu'il n'a jamais eu de lutte entre un père et fils dans un pays de vivre le Burkina Faso. Dakoré Soumaïla voudrait tirer l'attention à tous les enfants de dirigeants burkinabés, sans exception, de leur classe politique, de leur classe sociale, qui appartient aussi à la nouvelle génération burkinabé, et les autres jeunes de la NGV, de sortir de leur cachette, de leur maison, à partir du 30 octobre 2014, c'est le temps de la nouvelle génération burkinabé, NGV, de promouvoir, vivre le Burkina Faso. C'est ainsi que la nouvelle génération burkinabé doit assumer sa responsabilité, accepter ses devoirs, ses obligations, en accomplissant sa mission ou la trahir à l'intérêt de la future génération burkinabé qui sera bientôt sur le sol burkinabé. L'initiateur de la nouvelle génération burkinabé, Dakoré Soumaïla, affirme et confirme que nous n'allons jamais négliger aucune langue étrangère pour promouvoir vivre le Burkina Faso, sans pour autant oublier de promouvoir les 60 langues burkinabées. Deuxièmement, vive le peuple burkinabé. Parvenir à m'exprimer le cri souffrant de cœur sanglant que vive le peuple burkinabé doit apprendre à vivre ensemble et accepter l'autre dans sa vie, quelle que soit ta classe politique, ta classe sociale, ta religion, ton sexe, etc. pour que le concept de vivre le Burkina Faso puisse exister dans le cœur de vivre le peuple burkinabé. Parvenir à expliquer qu'il y aura de 99,99% de vivre le peuple burkinabé handicap de promouvoir vivre le Burkina Faso. Mais cette même ignorance est utilisée par 0,01 de certains individus burkinabés à leurs intérêts personnels. Troisièmement, vive la démocratie au nom de la liberté d'expression qui est le cœur de vivre la démocratie. Chaque individu de vivre le peuple burkinabé doit jouir de son droit et de ses privilèges, de sa liberté d'expression pour concevoir des débats d'idées, d'analyse et même arriver à créer des concepts idéologiques pour promouvoir vivre le Burkina Faso. L'initiateur Dakoré Soumaïla veut souligner que grâce à la liberté d'expression, aucun individu burkinabé de vivre le peuple burkinabé doit perdre sa vie, ni mépriser, ni opprimer à l'intérêt d'un autre individu. Quatrièmement, vive le Burkina Faso. Reconnaître que vive le Burkina Faso est un pays de 274 000 km², formé de 60 groupes ethniques. Croire que vive le Burkina Faso est composé et formé de différentes familles burkinabées, comme
famille d'Akouré, la famille Compore, la famille Kabore, la famille Diabré, la famille Ouedraogo, etc., qui doit contribuer à leur pierre constructive à vivre le Burkina Faso. L'initiateur d'Akouré Soumaïla ajoute, chaque génération burkinabé qui arrive sur le sol de vivre le Burkina Faso, comme la NGB, doit accepter d'accomplir sa mission ou la trahir à l'intérêt de vivre le peuple burkinabé et vivre la future génération. Pour en finir, le slogan du Stétois d'Aksum, d'Akouré Soumaïla, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Vive la nouvelle génération burkinabé, NGB. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les autres. Vive le peuple burkinabé, vive la démocratie et vive le Burkina Faso. Je vous remercie.